Tu rêves d'allonger ta silhouette et de paraître plus grande, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu en as assez de ne pas savoir comment t'habiller pour mettre en valeur ta petite taille. Tu as peut-être aussi peur de faire des erreurs dans tes choix de vêtements qui pourraient tasser ta silhouette au lieu de l'élancer. Et ne cherche plus, tu es au bon endroit pour booster ta confiance en toi. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment bien s'habiller quand on est petite avec mes 7 astuces infaillibles pour paraître plus grande et les 5 erreurs à éviter pour ne pas te tasser, plus mes 5 alternatives idéales à privilégier. En plus, je te ferai une démo en direct depuis ma garde-robe pour te montrer concrètement comment appliquer mes astuces. Et même si je mesure 1m73 et que je ne suis pas petite, eh bien j'ai accompagné de nombreuses femmes de toute stature et crois-moi, ces conseils ont fait leur preuve à chaque fois. Donc pas d'inquiétude, cette démo sera l'occasion parfaite pour toi de voir les effets de ces conseils de visu. Tu verras comment ils peuvent transformer une silhouette, ce qui te donnera eh bien une idée bien claire de comment les utiliser pour améliorer la tienne, ok? Alors que tu te questionnes sur les bonnes coupes, les imprimés à choisir, les couleurs qui te flattent le plus, ou alors encore comment jouer avec, je sais pas moi, les proportions de ton corps pour t'élancer et transformer ton apparence, eh bien je suis là pour t'aider à améliorer ton style et booster ta confiance en toi, spécialement si tu es petite ou que tu as des jambes courtes. Alors les conseils seront valables quel que soit ta morphologie et ta corpulence, ok? Et souviens-toi, hein, ici, il s'agit de trouver ce qui résonne avec toi et tu peux bien sûr adapter chaque conseil à ton type de silhouette et à ton style personnel. Chacune est différente et vraiment, je t'encourage vivement à simplement expérimenter pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et si mes conseils te parlent, eh bien, tu vas adorer ce qui suit. Et sinon, eh bien, c'est aussi parfaitement ok. Ne regarde tout simplement pas cette vidéo. Alors, prête à découvrir comment sublimer ta petite taille avec style, reste avec moi jusqu'à la fin pour ne rater aucune astuce pour te sentir bien habillée et élégante et surtout pour éviter les erreurs communes qui pourraient te faire te sentir moins bien dans tes vêtements, c'est vrai. Puis ne manque pas hein, le conseil numéro 2 qui change la donne pour beaucoup, crois-moi. Alors laisse-moi un pouce bleu hein, si toi aussi tu veux améliorer ton style avec ton petit gabarit, te sentir plus jolie et booster ta confiance en toi par la même occasion, en montrant ton soutien, tu aides non seulement à partager des astuces précieuses avec celles qui en ont besoin, mais tu contribues aussi à créer un espace, hein, cet espace femme pépite où chacune peut se sentir plus belle et plus confiante. Alors, on démarre avec mes 7 astuces. L'astuce numéro 1, c'est de choisir les bonnes coupes. Alors, il est crucial de choisir des coupes qui vont flatter ta silhouette et surtout pas la tasser. Et ça passe par des coupes de vêtements bien précises auxquelles tu pourras faire 100% confiance pour te mettre en valeur. Concrètement, quelles sont ces coupes adéquates pour toi si tu es petite? Eh bien, il y a par exemple les pantalons, les jeans, les jupes et les robes structurées taille haute. Le taille haute est une valeur sûre quand on est petite simplement parce qu'il allonge visuellement les jambes. Il donne hein, l'illusion de jambes plus longues. Et quelle que soit la longueur de ton buste, hein, qu'il soit long ou court, eh bien la coupe taille haute va t'apporter ce côté élancé alors que le taille basse au contraire va avoir tendance à tasser ta silhouette. On va tout de suite y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc si tu ne te sens pas à l'aise par contre avec la coupe taille haute, ce qui est tout à fait possible pour une question de morphologie, eh bien je te conseille alors d'opter pour la coupe taille normale tout simplement. Et toujours en matière de coupe, eh bien les hauts un peu plus cintrés, ajustés, du moins pas trop larges, seront aussi plus adéquats pour toi. Et si tu aimes porter tes hauts fluides et aériens, moi j'adore ça, eh bien tu peux alors les structurer en les rentrant en tout ou en partie dans ton bas. On va aussi y revenir avec l'astuce numéro 2. Alors pour les coupes de tes jeans, je te conseille un jean droit, un jean wide, c'est-à-dire un peu plus large hein, sur toute la longueur de la jambe. Le flare aussi, ou alors simplement un jean slim, mais pas trop moulant à l'extrême. Et tes jambes n'en paraîtront que plus longues, surtout si tu as une corpulence un peu plus ronde, ok? Et pour tes blouses et tes pulls, eh bien, je te conseille aussi les cols en V ou à encolure dégagée. Ça va apporter de la verticalité et donc de la longueur sur le haut de ta silhouette. Et si tu aimes les robes longues, par exemple, eh bien, tu peux porter un modèle ajusté à la taille, pas trop large et bien coupé, avec pourquoi pas une ceinture hein, pour relever la taille, on va aussi en reparler plus loin. Et pour aller plus loin, et bien justement, je te conseille aussi la vidéo sur mes 6 boosters
couleur de style qui va certainement beaucoup t'inspirer, que tu trouveras juste ici. Alors l'astuce numéro 2, c'est de créer les bonnes proportions. Cette astuce numéro 2 est en lien direct avec la première. Elle est essentielle puisqu'elle va te permettre de faire attention à la hauteur de ta taille via tes vêtements et de facto du coup à la longueur de tes jambes. Concrètement, il s'agit de bien structurer ta taille, là où se forme un pli hein, lorsque tu te penches d'un côté ou de l'autre. C'est une partie féminine de ton corps que tu peux facilement mettre en valeur et qui va te permettre vraiment de créer cette fameuse proportion dont je te parle régulièrement dans mes vidéos. C'est la proportion du 1 tiers 2 tiers entre le bas et le haut de ta silhouette. Alors c'est important vraiment dans ce contexte d'éviter deux choses. Un, les tenues larges et floues dans lesquelles on ne sait pas où se situe la taille parce qu'il n'y a pas de démarcation claire entre le haut et le bas de ton corps. Un haut large, par exemple, porté au-dessus du pantalon, va vraiment raccourcir tes jambes parce qu'il coupe ton corps en deux et il épaissit le buste. Deuxième chose aussi, ce sont les tenues avec une proportion 1/2-1/2 dans laquelle bien souvent ton haut est positionné à nouveau au-dessus de ton bas, ce qui provoque une ligne horizontale qui est trop basse par rapport à ta taille, ce qui tasse la silhouette et te fait paraître plus petite encore, donc ça c'est encore à éviter. Alors comment définir facilement ta taille pour te garantir cette bonne proportion 1 tiers 2 tiers? Eh bien c'est facile. Tu peux soit le faire en rentrant ton haut dans ton bas comme on l'a vu dans l'astuce 1 si tu aimes ça, parce que ça marque la taille de façon plus gracieuse et ça allonge les jambes, soit en portant une ceinture fine au niveau de ta taille, donc pour tes tailles hautes, ça va venir la structurer, ça va relever la ligne horizontale de ton corps et donc donner l'illusion de jambes plus longues. Attention à la ceinture, ne doit pas être trop large non plus pour ne pas trop couper le buste et te tasser. Donc je te propose une ceinture fine ou une ceinture moyenne ou encore une ceinture qui serait dans une teinte similaire ou carrément intégrée à ton bas et ça c'est parfait. Tu peux aussi créer cette proportion en portant un crop top élégant avec un bas taille haute. On évite de laisser la chemise ou le pull sorti à l'extérieur du pantalon ou du jean pour éviter justement cet effet négatif. Et au-delà de cette question de taille, eh bien, je te conseille aussi de porter une jupe courte ou dessus genou plutôt qu'une jupe midi. Ça va aussi allonger visuellement ta silhouette. Et pour tes vestes, eh bien, tu peux opter pour une veste courte ou une veste longue, mais alors ouverte, avec par exemple un haut rentré dans le bas, toujours pour apporter cette fameuse verticalité. Attention aussi que lorsque tu portes une veste plus courte, eh bien, le t-shirt ne doit absolument bien sûr pas dépasser pour ne pas recréer cette ligne brisée qui serait trop basse. Et je te suggère aussi la vidéo sur comment s'habiller avec du ventre. Ça va beaucoup t'aider par rapport à cette deuxième astuce parce que je sais que c'est un souci que vous rencontrez beaucoup. Alors l'astuce numéro 3, c'est le bon choix des couleurs. En matière de couleurs, il sera important de ne pas créer trop de contraste entre le haut et le bas de la silhouette pour ne pas provoquer une ligne, une séparation qui serait trop marquée, qui coupe la silhouette en deux avec par exemple une pièce très claire et une pièce très foncée, que ce soit en haut ou en bas. Donc je te conseille plutôt des tenues monochromes ou de nuances similaires et harmonieuses qui vont par exemple fondre la silhouette et avoir vraiment un impact très positif sur l'allure générale quand on est petite parce que ça crée une seule ligne dans ta tenue et donc ça crée donc une illusion de hauteur et donc ça allonge. Tu peux donc aussi utiliser des nuances de couleurs similaires entre le haut et le bas de la tenue et tu peux aussi adopter la combinaison parce que c'est une seule pièce de la même couleur et ça allonge par la même occasion. Donc on évite de dépareiller les couleurs, de mixer trop de couleurs ensemble et surtout les couleurs fortes hein, parce que ça va de nouveau casser la silhouette et donc faire paraître plus petite. Et à ce propos, je te suggère aussi la vidéo sur comment bien associer les couleurs. Ça va vraiment t'éclairer, elle sera juste ici. Alors si tu veux transformer ta façon de t'habiller et te sentir chaque jour plus belle et confiante, eh bien c'est le moment aussi de rejoindre la communauté Femme Pépite. Donc abonne-toi maintenant à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me soutient énormément et ça te permet de ne pas rater les conseils précieux qui vraiment changent la donne. Et puis reste bien jusqu'à la fin aussi de cette vidéo parce que je te réserve un bonus exclusif pour magnifier ton style avec ce que tu as déjà dans ton dressing, donc tu ne voudras certainement pas passer à côté. Alors l'astuce numéro 4, ce sont les lignes verticales parce que les rayures verticales, les fermetures éclairs visibles et les coutures peuvent allonger visuellement le corps et c'est d'autant plus le cas pour les rayures et les lignes sur le bas de la silhouette et si tu as des jambes courtes, ça va beaucoup t'aider. Donc tu peux opter pour des pantalons par exemple avec une ligne sur le côté ou des pantalons ligné par exemple. Et pour le haut, je dirais que tu peux vraiment te permettre de porter quand même des rayures horizontales comme c'est le cas avec par exemple une marinière parce que bon, c'est vrai que ce serait dommage de te priver de ce grand basique incontournable du vestiaire féminin, donc vas-y pour la marinière par contre, il n'y a pas de souci. Et pour tes vestes, tu peux les porter ouvertes quand la météo le permet, que ce soit une veste courte, un blazer, un trench ou un manteau. De nouveau, ça va amener de la verticalité et donc t'allonger
allongée. L'astuce numéro 5, ce sont les chaussures à talons. Les chaussures à talons fonctionnent toujours quand on est petite, même si évidemment c'est pas du tout une obligation, hein, c'est une astuce parmi les autres. Si tu es attentive à ton confort et ta sécurité, eh bien je te conseille aussi d'opter pour un talon plutôt moyen, plus large ou alors compensé. Des chaussures à talons, je dirais, vont naturellement allonger tes jambes, hein, tu le sais certainement. Et les modèles à bout ovale ou un peu plus pointu, si tu aimes ça, eh bien vont donner plus de longueur aussi aux pieds et donc élancer le bas des jambes, contrairement aux modèles qui sont trop ronds ou trop carrés qui vont avoir tendance à tasser. Alors les nuances de couleurs proches de ton pantalon ou de ta peau, comme le nude en période estivale, donneront aussi l'illusion d'une jambe plus longue par effet de prolongement de la ligne de tes jambes, et ainsi ta jambe ne sera pas coupée au niveau de la cheville, donc ça c'est très bien aussi. Alors je dirais que ce sont des petites subtilités de longueur, mais qui sont importantes pour changer la donne avec tes chaussures, et c'est pour ça que je t'en parle. Et en complément, je te suggère aussi la vidéo hein, sur les 9 paires de chaussures que les femmes élégantes ne portent jamais. Tu vas en apprendre beaucoup sur l'élégance grâce aux chaussures à éviter absolument et grâce à mes conseils pour bien les choisir. Et si tu souffres de douleurs aux pieds lorsque tu portes des talons, eh bien je te suggère aussi la vidéo sur comment ne plus avoir mal aux pieds dans tes chaussures, ça va beaucoup t'aider également. Alors on va tout de suite plonger dans les deux dernières astuces et juste après, comme promis, je t'emmènerai pour une petite démo en direct depuis mon dressing. Alors l'astuce numéro 6, ce sont les bons accessoires. Les accessoires comme les colliers longs, les sautoirs, les foulards ou les écharpes verticales peuvent également contribuer à créer une illusion de longueur et donc tu peux les positionner de manière à attirer l'œil verticalement, ok? Je te conseille aussi de porter plutôt un sac bien proportionné, pour ne pas apporter trop de volume au niveau des hanches parce que ça tasserait du coup tes jambes et ta silhouette, donc évite les sacs qui sont trop grands, trop volumineux à hauteur de hanches et opte plutôt pour un petit sac ou un sac de taille moyenne, ce sera mieux proportionné. Les accessoires permettent également de porter l'attention ailleurs finalement que sur la silhouette, donc un très beau sac, un très beau bijou, pas trop imposant hein, pour ne pas noyer la silhouette, et bien ça permet aussi de porter l'attention du regard sur autre chose que sur ta taille. Bien sûr, bon, je dirais que si t'as pas de complexe à être petite, hein, ce qui arrive évidemment aussi, eh bien ce n'est pas du tout une obligation, et sens-toi à l'aise aussi de varier les plaisirs selon ton humeur, donc porter des bijoux, oui c'est sûr, mais porter des bijoux tous les jours, pas forcément, hein, tu n'es pas du tout obligé. Alors l'astuce numéro 7, ce sont les superposition intelligente. La superposition de vêtements peut être une excellente façon d'allonger la silhouette à condition de le faire judicieusement. Donc par exemple, une veste ou un manteau long et ajusté peut créer cette fameuse ligne verticale qui allonge le corps, comme on l'a vu avant dans la vidéo. Donc je t'encourage à utiliser des couches plutôt légères hein, pour éviter d'ajouter trop de volume. Et une superposition intelligente peut donc compléter et élancer la silhouette de façon adéquate en créant ces fameuses lignes verticales grâce à une veste longue ouverte, un cardigan ouvert ou encore une veste croppée qui serait un peu plus courte du coup à hauteur de taille. Alors maintenant que tu connais mes 7 astuces incontournables, eh bien je t'emmène comme promis pour une petite démo en direct dans mon dressing pour voir comment les appliquer concrètement et tu vas voir, tu vas pouvoir le refaire chez toi facilement. Pour aujourd'hui, eh bien j'ai sélectionné une tenue de tous les jours que j'affectionne particulièrement, c'est simplement un jean associé à une blouse ou à un pull selon la saison. Alors j'ai choisi des nuances qui ne sont ni trop sombre ni trop clair pour créer une ligne verticale ininterrompue entre le haut et le bas de mon corps, ce qui, eh bien, je dirais de manière générale, donne cette illusion d'une silhouette qui est plus longue et plus élancée. Alors la tenue de départ, elle est assez basique et on va voir maintenant comment la booster avec les astuces justement pour allonger les jambes, structurer la taille et améliorer l'allure générale. Alors je porte un jean taille haute qui est parfait pour la coupe et la proportion idéale du 1/3-2/3, ça fait paraître plus grande. Alors je rentre mon haut ou mon pull dans le jean, ce qui définit bien ma taille et allonge mes jambes aussi. Et si tu ne te sens pas à l'aise de rentrer entièrement ton pull, eh bien tu peux juste rentrer hop ce petit pan de devant légèrement. J'ajoute ensuite une ceinture fine qui vient souligner mes courbes naturelles et féminiser la silhouette. Et pour ajouter un élément vertical, eh bien j'opte pour une veste longue ouverte ou comme ici un cardigan qui peut aussi faire office de veste. Hein, ça crée une belle ligne supplémentaire qui élève visuellement ma stature. Ma tenue ici est complétée
par des bottines à petits talons pour continuer à allonger mes jambes. Et pour un effet encore plus marqué, eh bien, tu peux choisir aussi une paire de chaussures au bout ovale dans une teinte proche de ton bas. Ensuite, j'accessoirise avec un bijou fin et vertical comme un sautoir pour guider le regard et étirer visuellement mon buste. Et pour finir, je peux aussi utiliser une superposition légère comme par exemple un foulard ou une écharpe pour ajouter de la profondeur sans trop de volume. Et voilà le résultat, une transformation visible de la tenue initiale, sublimée par ces astuces simples mais redoutablement efficaces. Tu vois clairement l'avant et l'après, on passe d'une tenue plutôt plate à une tenue qui allonge, qui élance et qui fait paraître plus grande. Alors, avant de passer aux 5 erreurs à absolument éviter, dis-moi en commentaire, quelles sont les astuces que tu as hâte d'essayer après avoir regardé tout ça? Et toi, est-ce que tu as d'autres secrets de style que tu aimerais me partager? N'hésite pas en tout cas à me laisser un gentil petit mot parce que comme tu le sais, j'échange avec toi avec plaisir. Après mes 7 astuces infaillibles et la démo, on passe maintenant aux 5 erreurs à éviter pour ne pas tasser ta silhouette et bien sûr mes alternatives idéales à privilégier pour contrer chaque erreur. Alors l'erreur numéro 1, ce sont les pièces trop larges, les vêtements oversize peuvent submerger la silhouette et donner une impression de tassement, et c'est aussi une question d'équilibre entre le haut et le bas de la silhouette. Donc si tu choisis de porter du plus large en bas, eh bien porte plutôt une pièce plus ajustée en haut et vice versa. Et pour tes pantalons et tes jeans, eh bien je te conseille par exemple d'éviter tout ce qui est très large, plissé ou froncé au niveau du ourlet sur le bas de la jambe, parce que les fronces tassent les jambes qui paraissent encore plus courtes. Donc des pantalons qui s'accumulent sur la chaussure peuvent vraiment, je dirais, tasser la silhouette. Et donc, par exemple, le jean baggy froncé sur tout le long de la jambe, eh bien, ça rétrécit la silhouette et ce n'est pas opportun pour toi. Un pantalon long, oui, mais alors du coup, avec une taille haute, un tombé droit qui ne traîne pas sur les chaussures ni par terre, et pourquoi pas des talons, même petits, pardon, si tu aimes en porter, bien sûr. C'est vraiment important que l'ourlet ne plisse pas pour éviter ce côté négligé et affalé. Donc, il faut donc vraiment parfois tester pour trouver la longueur parfaite pour soi qui arrive soit à la cheville, la malléole ou juste sur le dessus de la chaussure, et comme ça, ça élance tes jambes. Alors l'alternative idéale donc, c'est d'opter plutôt pour un jean plus ajusté, de coupe droite, encore wide, flare ou même mom, qui est un peu plus large au niveau des hanches et qui se resserre ensuite pour fluidifier les jambes de la bonne façon. Le taille haute, comme on l'a vu au début de la vidéo, et surtout pas taille basse, on va y revenir, et pense à bien soigner les ourlets pour que le pantalon ait un beau tombé droit sans plisser. Et pour ne pas tomber dans le oversize, le choix plus adéquat est aussi de porter tes vêtements à ta juste taille, bien coupés et de qualité. On en revient à l'astuce numéro 1, c'est magique. Alors l'erreur numéro 2, ce sont les pièces trop longues ou trop courtes, donc ce que j'appelle des coupes intermédiaires, parce que des vêtements mal ajustés au niveau de leur longueur peuvent déséquilibrer les proportions de ta silhouette et du coup la tasser visuellement, parce que si c'est trop long en bas, ça tasse. Je pense par exemple à la tunique qu'il faut vraiment éviter quand on est petite. Les bonnes proportions ne seraient pas respectées parce que la tunique finalement va toujours tasser la silhouette. Elle n'équilibre pas bien les proportions entre le haut et le bas du corps et elle floute complètement la ligne de la taille, donc on n'a pas cette proportion un tiers, deux tiers. Et si tu aimes vraiment les tuniques, eh bien choisis alors une tenue monochrome entre le haut et le bas de la silhouette. Ça va éviter de créer des lignes que j'appelle brisées qui coupent la silhouette et qui ne seraient pas harmonieuses, ok? Alors je pense aussi à la robe taille tombante qui n'est pas non plus la meilleure option quand on est petite vu qu'elle tasse la silhouette. Et du coup, si c'est trop court en bas, eh bien ça tasse aussi. Je pense par exemple au pantacourt qui rétrécit la jambe. En plus, c'est vrai de ne pas être très élégant. Du coup, l'alternative idéale, c'est donc à nouveau d'ajuster les longueurs pour élancer l'apparence générale et bien faire attention à cette proportion un tiers, deux tiers quand tu choisis un vêtement. Donc choisis un pantalon, une jupe, une robe, taille haute ou un haut de la bonne longueur, ou alors que tu rentres dans ton bas et qui respecte cette fameuse proportion. On en revient encore à l'astuce numéro 2, tout est lié. Alors l'erreur numéro 3, c'est le taille basse justement. La suite logique de l'erreur numéro 2, ce soit un pantalon, un jean, une robe, une jupe, un short, tout ce qui est taille basse va directement provoquer un déséquilibre. Ça peut vraiment rompre la ligne de la silhouette et créer une impression de jambes plus courtes. Ça va donc
tasser ta silhouette, et d'autant plus si tu es petite. Donc l'alternative idéale sera toujours de porter des vêtements taille haute, hein, comme on l'a vu, selon ton propre confort. Évidemment, ça va allonger visuellement la silhouette. Et si tu n'aimes pas du tout le taille haute sur ton ventre et par rapport à tes hanches, hein, ce qui est tout à fait possible, tu peux aussi opter pour la coupe empire sous poitrine pour tes robes ou la taille normale pour tes pantalons et tes jeans. Alors avant de découvrir les deux dernières erreurs, si tu ne l'as pas encore téléchargé, eh bien je t'offre un bonus pour apprendre à te mettre en valeur en un clin d'œil, même avec ta garde-robe actuelle. Le lien se trouve dans la description de la vidéo comme d'habitude. Alors l'erreur numéro 4, ce sont les imprimés trop grands. Si tu aimes les motifs, c'est tout à fait ok, mais il s'agit d'éviter les trop gros imprimés pour ne pas être comme avalé hein, par le motif. Ils ont en effet tendance à submerger une petite stature. Du coup, l'alternative idéale sera plutôt d'opter pour des petits motifs plus proportionnés et plus délicats, comme on le voit ici sur les images. Alors l'erreur numéro 5, ce sont les chaussures mi-mollet. Parce que les chaussures, les bottines, les bottes, les sandales mi-mollet s'arrêtent à mi-chemin entre la cheville et le genou, donc ça couvre la partie inférieure du mollet et ça coupe la silhouette, ça la tasse à nouveau. C'est à éviter de manière générale car ce n'est pas très élégant et d'autant plus si tu es petite, ça va raccourcir tes jambes. Du coup, un autre type de chaussures, j'en profite à éviter, eh bien ce sont aussi les grosses chaussures massives qui provoquent un effet plat sur le bas des jambes et du coup qui tasse, mieux vaut une chaussure plus fine et plus délicate. Alors l'alternative idéale, eh bien, c'est de choisir des chaussures qui sont plus basses, hein, qui s'arrêtent à la cheville ou plus bas sur le pied. Et ça inclut les chaussures plates, les baskets, les bottines qui s'arrêtent à la cheville. Donc tu as beaucoup de choix et ça va cette fois allonger la jambe et ça va tout changer. Alors si tu es confiant, tu peux aussi essayer les bottes hautes ou même les cuissardes pour les périodes plus froides. Mais à voir évidemment selon tes goûts et ta silhouette parce que ça allonge aussi les jambes. Et je te recommande surtout pour les morphologies en V, en H et en X. Alors j'espère que cette vidéo t'a donné de précieuses inspirations pour peaufiner ton style et booster ta confiance, surtout si tu es petite. N'oublie pas, hein, le plus crucial au-delà de tous les conseils et des idées que je te partage ici, c'est de passer à l'action. Donc expérimente, teste, découvre ce qui toi te met en valeur parce que pour transformer ton style, eh bien il faut oser faire les choses différemment. Donc prends le temps de t'observer dans le miroir, note ce qui te fait te sentir belle et à l'aise dans tes vêtements parce que ce sont tous ces petits détails, je dirais, qui feront vraiment la différence. Et pourquoi pas aussi ne pas te prendre en photo devant un miroir, ça va te permettre de te voir sous un autre angle tout en restant évidemment bienveillante envers soi-même, ça c'est important. C'est une technique hein, que j'utilise souvent avec mes clientes et les résultats sont toujours incroyables parce qu'elles en apprennent beaucoup sur elles-mêmes et sur leur image et ça c'est magique. Donc si tu es prête à explorer davantage, je t'invite aussi à regarder ma vidéo sur comment s'habiller selon sa morphologie parce qu'elle va t'offrir encore plus de clés pour comprendre et valoriser ton corps à sa juste valeur. Donc n'attends plus pour découvrir d'autres astuces et je te dis à tout de suite pour de nouveaux conseils. Bye bye ma chère pépite, à bientôt, à tout de suite.